route barrée à 4 km, à 3 km, 2 km, à 1 km, en venant de Trespousse pour me rendre à Sauzet. Je pensais quand même pouvoir passer d'un côté, au moins aller à Saint-Pantaléon ou aller à Sauzet, mais non. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est des fils téléphoniques par terre. Est-ce pour passer la fibre qui font tomber? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je ne peux pas passer. Certains peut-être passent en dessous. Ma voiture passerait peut-être, oui, je sais, mais je ne vais pas le faire. Je vais prendre un petit chemin en espérant récupérer par les petits chemins Sauzet. C'est l'aventure de la D656 en direction de la D12, qui est bien une route barrée aujourd'hui. Nous sommes un jeudi de septembre 2022. Je pensais que c'était route barrée pour le Tour de France. Peut-être qu'ils avaient laissé, oui, ça arrive dans le département du Lot qu'il y ait des routes barrées notées et puis c'est pas barré. En tout cas, voilà, peut-être qu'on retire ces fils ou je ne sais pas qui a fait tomber ces poteaux. Parce que vous voyez, il y en a un là, deux, trois, quatre. C'est pire qu'une hécatombe. Ici, le département du Lot où il se passe parfois des choses surprenantes. Cahors TV en reportage. Étonnant, non? Tandis que sur la D656, les voitures passent sans se soucier que moi je suis bloqué.